longtemps, en 1981. Avant cela, je côtoyais les sœurs à Diaké ici et à Maféré. Et il y avait une situation en tant que séminariste, était vers la fin de mon cycle, et séminariste venait à Maféré, où les enfants, les 10e enfants, et puis les enfants handicapés étaient jetés dans les brousses. C'est là, les pères, ce matin, ont vu des enfants dans les brousses. Et avec cet amour pour ces enfants et cette peine qu'ils portaient, ils ont demandé aux sœurs des pauvres qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et c'est là qu'ils ont créé la pouponnière ici. Et il y a quelques années, j'ai rencontré des enfants qui ont été adoptés et qui eux-mêmes, aujourd'hui, sont devenus des bienfaiteurs et bienfaitrices de cette pouponnière. Et c'est ça qui me donne la joie. Et une autre joie, c'est que ce n'était pas seulement pouponnière que les sœurs faisaient, mais aussi une formation pour les mamans, les nouvelles mamans. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que 40 ans, ce n'est pas un jour. 40 ans de service, de sacrifice, c'est une joie qui m'anime de voir l'évolution de ces enfants, surtout quand ils sont épanouis. C'est vraiment une grande joie pour moi. Je dirais qu'aujourd'hui, les enfants que nous recevons sont de trois types. Il y a les enfants abandonnés que nous avons retrouvés dans une forêt, une brousse un peu passée, en accord avec le ministère de la Femme. Quand ils sont abandonnés, on déclare la police et on fait signe au ministère. Il y a les orphelins, orphelines, les cas sociaux, les enfants dont les mères souffrent de maladies mentales. Pour ne pas les jeter dans la rue, nous les recueillons. Et nous, un temps soit pour, on leur donne le maximum d'amour, d'affection, d'attention, d'éducation. Les premiers pensionnaires, il y en a qui sont grands, connaissant leur histoire, qui passent dans nos structures pour faire des dons. Et c'est une grande joie pour nous. Une même est passée, célébrer son mariage. Elle a été adoptée en Europe. Elle a voulu célébrer son mariage au sein de la pouponnière pour partager sa joie avec les autres. C'est vraiment une grande fierté. Ceux dont nous avons les nouvelles, beaucoup parmi eux ont réussi. À ce jour, nous sommes à 993 enfants. Les besoins sont énormes. En dehors des besoins alimentaires récurrents, quotidiens que nous avons besoin d'un moyen de transport. On n'a pas de voiture adaptée à la pouponnière. C'est une voiture de 5 places et c'est difficile. Quand les enfants sont malades, il faut courir pour aller au CHU. Parfois même, l'unique voiture que nous avons en panne fait un mois et nous louons des voitures aller-retour, 25 000, 50 000, ça nous revient énormément cher. Donc nous laissons un appel, si on peut avoir un véhicule propre à une pouponnière, ce serait l'idéal. C'est un devoir pour nous de poursuivre cette œuvre-là, cette œuvre au service de l'enfance, cette œuvre au service de l'avenir de notre pays, parce que les enfants que nous sauvons, qui nous aident aujourd'hui à s'en sortir, c'est sûrement les bras valides des mecs qui travailleront pour la Côte d'Ivoire, pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Mon épouse et moi, nous le faisons, mais nous avons conscience que nous n'en faisons pas assez, nous ne pouvons pas faire ça seuls. C'est pour ça que nous n'hésitons pas souvent à interpeller par rapport à nos carnets d'adresse d'autres possibilités, d'autres bonnes volontés qui déjà interviennent ici. C'est le lieu pour moi de remercier ceux-là, les anonymes comme les plus connus, qui chaque fois aident un peu les enfants de la pouponnière de Diaké à vivre dans les bonnes conditions et à les préparer, j'espère bien, un avenir pour demain. Nous continuerons à le faire, nous le faisons depuis, il y a des choses qui sont mensuelles, il y a des choses qui sont parfois occasionnelles, mais en tout cas nous maintiendrons cette ligne-là et chaque fois que nous pourrons faire davantage, nous le ferons. Et nous sommes en contact, en interaction avec la sœur supérieure qui de temps en temps nous exprime des besoins particuliers et pour autant que nous en puissions avoir les moyens, nous le ferons. Et pas moi en tant qu'individu seul, mais la commune s'y implique et les bonnes volontés aussi que nous connaissons. Nous n'hésitons pas à faire appel pour nous aider, à aider la pouponnière à accueillir beaucoup plus d'enfants et à leur offrir beaucoup plus de conditions, de possibilités de relance dans leur vie.